Eh bien, salut à tous, c'est Chorus85, aujourd'hui on se retrouve sur Forza Motorsport 7. Oui, on est de retour sur Forza Motorsport 7, donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va continuer mon mode carrière qui est déjà bien avancé, donc je vous fais voir ça, on va les faire avec cette petite, cette petite Corvette, est-ce qu'on peut pas, je suis au dernier championnat, pour ceux qui veulent savoir. Vraiment tout dernier la coupe Forza. Donc je sais pas si c'est marqué quelque part ici. Je ne pense pas. Donc ok. Alors on va voir ce qu'on peut mettre comme mode. D'accord. Bon je vais acheter des modes parce que du coup il va me falloir. D'accord. Non. On va acheter la caisse à 50 000. C'est ce que je fais en général. Comme ça. Hop. On va l'ouvrir. Comme ça, on est plutôt dans le truc assez vite fait. Enfin, on a beaucoup plus de choses. Ça, c'est cool. Déspacement parfait. Désactiver trajectoire sur un tour. Désactiver trajectoire suggérée. Rester sur la piste. Désactiver trajectoire. Rester sur la piste pendant un tour. Réagir 6%. Finir 25 mètres de. Voilà. Du coup, j'ai choisi. J'ai mis dans le droit chemin. Désactiver trajectoire suggérée juste pendant un seul tour. Donc, et rester sur la piste. Donc, ça, c'est cool. Quoique la trajectoire suggérée, je suis pas sûr, je crois qu'il va être désactivé pendant toute la course, mais on verra bien. Si le virage parfait c'était déjà mis, bon ça c'est un peu chiant à faire je pense. Et bah, finir 25 mètres devant, ça je pense qu'on va pouvoir le faire assez facilement. Donc nous voilà sur le circuit circuit of the Americas. Donc on est parti, il y a 6 tours je crois, si non 2, pardon, j'avais vu 1 sur 6 mais non en fait. Ok. On est parti. C'est un départ lancé. Et j'adore cette Corvette là. Le bruit qu'elle fait et la conduite est juste impeccable sur cette voiture. C'est hallucinant. Une voiture qu'on a gagnée pour ceux qui ont fait le mode carrière savent de quoi je parle. On l'a gagnée avec une épreuve de rassemblement, on peut dire ça. Une sorte d'événement quoi. Il fallait faire 23 tours du circuit de Spa. Donc c'était une course d'endurance. J'ai mis à peu près une heure pour le faire. Un peu moins d'une heure, je sais plus, dans les 54-57 minutes. Donc c'était vraiment une bonne expérience. Et à la fin justement on nous offrait cette voiture là. Voiture avec laquelle j'adore jouer, comme je vous l'ai dit. Puisqu'elle est vraiment agréable à conduire. Wow, je suis tombé fan de cette voiture-là le jour où j'ai fait justement cette course d'endurance. C'est vraiment sympathique. Allez, on va gagner des petites places. On n'a que 2 tours pour grimper jusqu'au podium. Ça serait cool. Déjà, finir devant, finir premier. On a le mode qui va nous donner ce qu'il faut. On va essayer de prendre l'aspiration. J'ai cru qu'on avait passé la ligne. On a vu une ligne de départ, mais non. C'est une autre ligne. Allez, il faut que je me réhabitue un peu à la voiture parce que c'est un petit moment que j'ai pas joué à Forza 7. J'ai un peu lâché Forza 7 ces derniers temps. Mais ça fait plaisir d'y rejouer. Voilà, ça fait une semaine que j'ai pas joué à peu près. C'est pour ça, j'ai fait la carrière, je l'ai torché en une semaine la carrière, j'étais déjà rendu au dernier championnat. Et je me suis arrêté d'y jouer d'un coup, je sais pas trop pourquoi. Je suis parti à jouer avec des sur Fortnite ou autre jeu avec les potes. Et puis du coup, je fais de l'auto-tamponneuse, c'est pas grave. Et puis j'avais un peu lâché Forza 7. Mais ça fait du bien de revenir dessus. Alors moi qui ai l'habitude de jouer avec la trajectoire suggérée uniquement dans les virages, j'ai un peu de mal.
C'est pour ça, je m'aide un peu des voitures, je suis désolé. Hein, j'aime absolument pas ça, normalement d'habitude de le faire, mais là j'ai pas. J'ai pas le choix, enfin j'ai pas le choix, si j'ai le choix parce que je pourrais anticiper le truc, mais c'est que j'ai pas l'habitude, il me faudra un peu de temps d'adaptation sur le circuit. En plus, encore ce sera un circuit que je connaîtrai, il n'y aura pas de souci, mais là franchement là je le connais pas du tout le circuit. Vous voyez, je vais beaucoup trop vite. Bon, j'ai réussi à rattraper à peu près. Mais j'ai failli rentrer dans la BM. Non, c'est pas une BM ça. Non, c'est pas une BM. Qu'est-ce que c'est? Ah bah si, c'est bien une BM. J'avais raison, c'était bien une BM. Wow. Un peu large. Beaucoup trop même. Allez, on est parti. On a plus qu'une seule place à faire. Les virages parfaits, ça va être chaud à faire. 6, c'est quand même assez conséquent. Faut connaître le circuit hein, pour pouvoir bien le faire. Allez, on va aller choper cette première place. Je vais me mettre en vue intérieure. Histoire de vous faire voir un peu. L'immersion est assez sympa. J'ai vraiment hâte de pouvoir avoir un volant sur ce petit jeu. Ça serait vraiment ouf. Je tiendrai au courant de toute façon. Logiquement, je vais pouvoir en avoir un. Hop. Wow. Ok. J'en profite ici pour vous dire que j'ai. Wow. J'ai lancé un disque. Enfin, j'ai créé un Discord. Certains d'entre vous m'avaient demandé d'en faire un. Et ben, ça y est. Le Discord est créé. C'est dans la description. Donc n'hésitez pas à aller checker ça si vous êtes intéressé. Hop, on fait le dépassement. Nickel. Ouais, doucement. Garde ta deuxième place. C'est moi qui ai le premier. On va finir 25 mètres devant. Je sais pas si ça va être faisable. Non, il me colle trop. Je vais pas pouvoir faire finir 25 mètres devant. Tu peux pas te planter maintenant. Non, tant pis. Je pense que j'aurai aucun mode qui aura fonctionné là-dedans. On verra bien ce que ça va donner. Mais je pense que c'est mort. Si, j'ai quand même eu le mode des 25 mecs devant. Je sais pas comment, mais j'ai réussi à l'avoir. Hein, regardez, utilisation, ça a checké. Donc je sais pas pourquoi. Bon, tant pis. Hein. Enfin, tant mieux, justement. Tant mieux. Donc on va aller continuer ce circuit-là. Alors là, du coup, on est sur Homestead. Alors là, je connais absolument pas ce circuit-là. Les modes normalement, ouais, on n'a pas besoin d'y toucher, donc on va pouvoir tranquillement. J'ai reçu des tenues de pilote, je sais, j'ai eu un message par Xbox, il faudrait que je regarde ça de mon côté avec des codes. Il faudrait que j'active ça de mon côté, c'est maintenant que j'y pense, quand je vois que j'y pensais là, de pouvoir changer éventuellement le pilote. Avec ma petite tenue de Forza Motorsport 4. D'ailleurs, on m'avait dit dans les commentaires, une des dernières vidéos de Forza 7, je sais plus c'est laquelle, que la personne avait joué à Forza Motorsport 3 et n'avait pas reçu la tenue de Forza Motorsport 3. Ben moi, je suis dans le même cas. Parce que moi, j'ai commencé à jouer sur Forza 3 et je sais pas pourquoi, ils me l'ont pas donné en fait, la tenue Forza 3. Donc si vous êtes pareil, dites-le moi. Enfin, je sais pas, à moins que vous. Histoire de dire que je suis pas tout seul, quoi. Je sais que je suis pas tout seul parce qu'il y a une personne qui me l'a dit. Et à voir si on n'est pas que deux, quoi. Parce que je sais pas si c'est un bug ou il faut avoir joué un temps de temps pour pouvoir l'avoir. Bah, si des fois vous avez des informations là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, alors, on a 4 tours là-dessus. On va bien voir ce que ça va donner. Pas de nuit ou de pluie cette fois-ci. Hein. J'aurais peut-être éventuellement dans une prochaine vidéo. Parce que la nuit, je vous ai toujours pas fait voir. Bon, je pense que vous avez, si vous êtes assez intéressé par le jeu, vous avez été voir sur d'autres vidéos. Mais pourquoi pas vous faire une course de nuit un de ces jours. D'ailleurs, j'avais vérifié la première vidéo que j'avais faite. Je me suis demandé si on pouvait mettre une séquence dans la nuit. Alors, non, ce n'est pas faisable. Nous, on peut pas le faire en tout cas. Mais, enfin, d'après ce que j'ai vu, du moins sur sur le circuit des 24 heures du Mans, c'est pas faisable. Mais, n'empêche que, apparemment, sur certaines compétitions, c'est le cas. Je sais pas comment. Parce que ça m'est arrivé de commencer une course, c'était le crépuscule et finir en nuit, et inversement, et commencer en nuit. Et il y avait le lever du jour à la fin de la course, donc c'était vraiment cool de voir ça. C'est vraiment sublime de pouvoir jouer sur ce genre de météo en fait, enfin de temps.
Et je sais pas, à moins que éventuellement sur, je me gourre sur d'autres circuits, c'est faisable. Si sur, du coup sur le Mans c'est pas faisable, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu avoir une transition sur le Mans, histoire de recréer les 24 heures. Ça aurait été vraiment sympa un de ces jours, je sais pas, se faire un live tous ensemble et recruter plein de monde, tous ceux qui veulent venir, et puis se faire un, les 24 tours, quoi, faire de l'endurance ensemble et avec une phase de nuit, ça aurait été vraiment épique, ça aurait été vraiment sympa. Bon, après, j'ai envie de vous dire, on peut s'amuser à faire genre 6 tours en jour. Ensuite, une fois que les 6 tours sont faites, on fait 12 tours. Oui, c'est ça, 12 tours en nuit. Et une fois que les 12 tours sont faites, on refait 6 tours en jour. Et c'est pas vraiment un problème. Mais bon, ça aurait été un kiff de faire qu'une seule course dans tout ça. Donc, éventuellement, ce petit projet, si des fois, ça fait un petit moment que j'y pense, si des fois ça vous plaît, dites-le moi. Et je pense que ça pourrait être quelque chose d'assez sympa à faire. Mais du coup, ça sera en live, bien sûr, parce que en vidéo, alors ça sera très chaud pour ma part de tout filmer. Surtout. Enfin, je ne saurais pas comment trop faire ça, comment faire une vidéo avec ça. Mais bon, dites-le moi si des fois vous avez des idées éventuellement là-dessus. Et je suis preneur si des fois votre idée est assez bonne. Donc alors, je parle, mais nous sommes déjà au deuxième tour. 8ème place, va falloir grimper dans les petites places pour pouvoir faire... Oula, j'ai pas assez freiné, pourtant j'ai fait fumer les pneus. C'est pas grave. Ah bah là, genre, décidément, je retape encore dans la personne. Allez. Celui-là, on le dépasse. Allez, dégage. Ça, c'est fait. Oh là, j'ai un peu... Non, c'est bon. J'ai cru aller trop vite dans le virage. Ah, punaise. J'ai voulu couper à l'intérieur, mais il m'a pas laissé la place. Allez. Allez. Merci monsieur pour la 7ème place. 6ème pardon. Allez, on n'a plus que 2 tours pour pouvoir rattraper ça. Wow, ok, j'utilise le rembobinage. Je sais qu'il y en a qui aimeraient pas forcément. Mais j'utilise le rembobinage sur cette fois-ci. Oula. Ça a été juste. Mais ça passe. Alors s'il te plaît collègue, vu qu'on est de la même équipe, tu me laisses passer s'il te plaît. Voilà, cette voiture est vraiment agréable à conduire. Pour ceux qui l'ont, dites-le moi si des fois ça vous. Cette voiture là aussi vous l'aimez bien, mais cette voiture là est juste ouf. C'est un kiff à chaque fois de faire de la compétition avec cette voiture. Et je pense que s'il y a le projet des 24 heures du Mans, comme je vous les ai annoncé plus tôt là. Je pense que ce serait une voiture que je prendrais pour pouvoir aller, pour pouvoir faire ce petit projet des 24 heures. Enfin du coup, du tout des 24 heures entre guillemets, des 24 tours du coup. Ce sera les 24 tours du Mans. Je sais pas combien de temps ça pourrait prendre. Je pense qu'un tour serait fait à peu près... on fait à peu près en 4 minutes on va dire. Donc 4 minutes x 24... Attendez, 4 et 4, déjà ça fait 48, oui on fait des maths avec Corrosive tout en jouant à Forza 7, oui effectivement. Donc 8 et 8, 16, ça ferait 96 minutes, donc 1h36, je pense que ça peut faire un bon petit truc. 1h36, si t'en veux éventuellement le temps de changer tout ça, ça fera un petit live de 2h sur les 24 heures, enfin 24 tours du Mans. Ouais, je pense que ça pourrait être assez sympa. Dites-le moi encore ce que vous en pensez. Le truc qui serait encore plus cool, c'est de le faire pendant les 24 heures du Mans. Ça serait vraiment cool. Le petit parallèle, ça serait bien. Moi je dis, ça serait bien. Ça serait très bien. En plus, éventuellement, on pourrait faire un autre projet comme ça. Parce qu'éventuellement, il n'y a pas que les 24 heures du Mans qui existent. Je sais qu'il y a les 24 heures de Silverstone. Non, ou alors je sais plus, c'est 6 ou 12. Après, je toutes les compétitions qui existent éventuellement, il y a une Nürburgring aussi qui fait ce genre d'endurance, enfin même à peu près partout, j'ai envie de dire. C'est pas que celle-ci, il y a le 24 heures du Mans qui est le plus connu dans tout ce qui est endurance. Mais ça peut s'adapter avec plein de circuits différents. Et ça, c'est vraiment cool. Bon, je vois qu'il nous reste plus beaucoup de virages pour pouvoir être premier.
Oh là, désolé. J'ai pas rembobiné, j'ai préféré jouer un peu plus RP sur ce coup-là. Et s'il te plaît. Oh là, le jeu, ouais, le RP, je l'encule directement là. Désolé pour ce gros mot, mais là, le RP, je l'ai pas respecté. Ok, c'est bon. Pour pouvoir finir premier, je l'ai pas respecté du tout, le gars. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. On aura fait deux petites courses. Dites-le-moi si ça vous intéresse de voir ce genre de petite progression dans ma carrière. Je pense, de toute façon, il va falloir encore pas mal jouer. Je pense que vous avez vu, j'ai pas énormément d'argent. Donc ça pourrait être une solution. En attendant les demandes de drift, je sais que vous attendez impatiemment ces petites demandes de drift, mais vous inquiétez pas, ça arrivera. Oh, cette fois-ci j'ai eu qu'un seul mode. Ok, bon tant pis. Vous voyez, j'ai que 209 000 crédits. Bon, j'ai quand même pas mal de voitures. Je pense que vous l'avez vu, je suis déjà niveau oh, ah ben voilà, on passe au niveau 45 si... Oui, 45 je crois. Donc vous voyez, le truc que je fais, c'est que je m'amuse à acheter les voitures en réduction, c'est pour ça que j'ai pas énormément d'argent. Mais du coup, ça fait que j'ai quand même pas mal de voitures dans mon stock, dans mon garage. Donc, je pense qu'on va pouvoir bientôt, éventuellement, faire des courses. Pas les demandes de drift, on va pouvoir les recommencer. Donc, voici ce que je vous parlais. Je suis directement à la dernière course. Donc voilà, la dernière course, le dernier championnat. Donc voilà, dites-le-moi ce que vous avez pensé de tout ça, tout ce que je vous ai parlé, dites-le-moi dans les commentaires, je vous ferai un plaisir de vous répondre. Nous d'ici là, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, c'était Corse85 pour PR2FR. Allez, salut. Everybody will be dancing, gonna be feeling it right. Everybody will be dancing, gonna be feeling it right. Everybody will be dancing.